Impossible de se cacher, l'heure de vérité a sonné. C'est maintenant ou jamais. Rendez-vous dans un instant. Qui va prendre le dessus dans ce duel? C'est la grande question du jeu. Ça fait du bien de se retrouver tous ensemble ici pour ce match. On n'est pas n'importe où. On est à Hambourg, au Volkspark Stadion. Benjamin Da Silva au micro pour vous faire vivre ce match en compagnie de l'ancien attaquant du Paris Saint-Germain, Omar Da Fonseca. Deuxième journée de phase de groupe dans cet Euro 2024. La Croatie affronte l'Albanie. Et oui, la situation est plutôt limite pour les deux équipes. La défaite du premier match n'est pas encore trop dramatique. Mais attention à ne pas perdre une seconde fois. Ouh, l'arbitre qui siffle la faute et ça donne un coup franc très bien placé. Et le ballon est parfaitement maîtrisé sur ce coup franc. Mais que s'est-il passé sur cette action? Parce que la frappe passe bien au-delà de la barre transversale. Il faut s'appliquer sur ces frappes. Au moins cadrer, ça sera déjà un bon début. Alors on va scruter sa performance de près, mais on peut s'attendre quand même à un gros match de sa part. On connaît sa capacité à déclencher une frappe puissante depuis n'importe quelle zone du terrain. Tu ne peux pas t'endormir quand le ballon est dans ses pieds, même à 40 mètres. Ce n'est pas des tirs qu'il a, c'est des frappasses. Évidemment que l'arbitre a vu la faute, c'est donc un coup franc. Ce coup franc lointain, finalement, eh bien, n'inquiète personne. À part peut-être ses propres supporters, qui se demandent pourquoi avoir tenté sa chance de si loin. Et la frappe, et bon arrêt, mais ce n'est pas fini. Et ça n'ira pas plus loin. Et c'est une touche pour les Croates. Pas bien joué, mal défendu, faute. L'arbitre donne le coup franc. Ouais, c'est propre, sans faute. Pasalic. Mario Pasalic. Kovacic avec le ballon. Ouais, le bon geste défensif pour couper l'attaque. Ballon vers Kramaric. Un ballon un peu trop sur le gardien, assez facilement maîtrisé. Et là, il prend le dessus sur l'adversaire direct. Attention pour mener au score peut-être. Tentative en force, mais le ballon passe loin du but. Si près du but, c'est vraiment dommage. Il frappe. Oh, Livakovic! Ça va vers le point de pénalty. Ah, c'est un ballon bien renvoyé. Oh, attention à ce centre. La faute est sifflée. Logiquement, c'est donc le coup franc derrière. Ah, vous le voyez sur vos écrans, ce match à venir et à vivre ensemble, évidemment. J'ai hâte de voir ça. Un beau moment de football qui arrive. Ah, le pressing paye. Ballon récupéré très haut. Le choix du tir en finesse était une bonne option pour s'en sortir dans ce duel. Mais c'est malheureusement manqué. L'attaque n'ira pas plus loin. Très bonne lecture du jeu. La bonne lecture pour stopper cette offensive.
Maillère avec le ballon. Ah, et c'est bien défendu sans commettre de faute. Ah, il faut bien négocier ce ballon là. Ah, la bonne frappe. Oh, le bon arrêt, mais il y a encore danger. Et finalement, le gardien s'empare du ballon assez facilement. Le premier arrêt était magnifique, mais le danger n'était pas encore écarté. Le ballon est enfin contrôlé. Kovacic avec le ballon. Frappe non cadrée, le gardien n'a pas été inquiet. Il a très bien lu la trajectoire. Ça sort. Allez, changement donc. Ramadani. Attention à cette action. C'est capté, pas de problème pour Livakovic. Et ça y est, c'est la pause. L'arbitre vient de siffler la mi-temps. Et c'est parti pour cette deuxième mi-temps. Alors on essaye de construire pour aller chercher le but et prendre l'avantage. La puissance y était. Attention, la faute, elle est signalée par l'arbitre. Le coup franc est dangereux. Et ce coup franc est capté par le gardien. Oui, sans faute. L'action se poursuit. Oui, c'est bien vu, c'est bien joué en pleine surface de réparation. Oh oui, ce but avec cette reprise de volée. Il y a tout, l'équilibre, l'adresse, la spontanéité. Voilà un classique qu'on apprécie. Et voilà encore une fois, tout le but dans le centre qui est une offrande pour son partenaire. Tout le monde regarde le ballon et on oublie l'attaquant. La finition de volée est parfaitement coordonnée et exécutée. C'est un geste à montrer dans les écoles de reprise de volée. Voilà, le ballon qui est en jeu, réaction de la Croatie obligatoire. Avantage, ça joue, c'est bien arbitré. Un petit aparté, vous le voyez, simplement pour vous rappeler le programme qui nous attend. Quand on parle de football, on parle d'émotion. Et quand on parle... Oh, le tir ! Frappe contrée, le danger est toujours présent. Goal, 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 goal ! L'assaut ! C'est magnifique, cette reprise de volée. Et ça fait but ! Le ballon qui revient, et sans réfléchir, tu te mets un peu de côté, et là, tu déclenches la foule. Qu'est-ce que c'est beau ! Magnifique. Et avec ce but inscrit, ça fait maintenant 2-0. Attention à cette passe. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Mais c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doublé. Ah, il est bien frappé ce corner. Et le gardien s'illustre bien. Et c'est un nouveau corner. Aucun souci là pour la défense, ballon dégagé. Ah, il repique balle au pied vers l'intérieur. Ah, le gardien ne se laisse pas surprendre sur cette frappe longue distance. Ah, il faut apporter le danger maintenant. Frappe contrée, mais ce n'est pas fini. Et l'arbitre siffle et indique le point de pénalty. Et ça rentre, très bien frappé ce pénalty. Le contre-pied sur ce pénalty est parfait.
L'anticipation ne lui a même pas permis d'effleurer le ballon. Un pénalty qui est parfaitement bien tiré. Et avec ce but inscrit, ça fait 3 buts à rien au tableau d'affichage. Passe à Bic. Et c'est intercepté ça. Tentative de tir brossé, mais le ballon passe loin du cadre. On voit qu'Elocor essaye de tourner légèrement au moment de la frappe, mais le ballon ne suit pas le mouvement. Les 20 dernières minutes de la rencontre. Oh, il y a de l'espace, là, il faut en profiter. Oh, attention! Oh, le ballon sauvé in extremis sur la ligne. Oula, le ballon est rendu directement à l'adversaire. Brozovic. Aslani dans l'eau de la défense. Ben, c'est bien donné dans la course. Le ballon n'est pas maîtrisé. Attention, c'est un bon centre, mais personne ne parvient à reprendre. Lovro-Mayer. C'est un ballon de contre à jouer. Berlin vers Kramaric. Et le ballon est renvoyé, attention. Ah, le danger est écarté. Et nous voilà maintenant dans les 10 dernières minutes de jeu. Et ballon en profondeur. Ah, il prend sa chance de loin. Et jolie frappe, mais ce n'est pas cadré. Et un changement donc. Luka Modric, Petkovic, avec Pasalic maintenant, Kovacic avec le ballon, très bonne frappe, malheureusement un petit peu trop enlevée, et le changement va donc avoir lieu, ce ballon est intercepté, et bien joué, il efface son vis-à-vis. Ah, bien sûr, il y a faute, c'est mal défendu. Eh bien vu, la passe en profondeur. Ah, hors-jeu, c'est hors-jeu. Voilà, c'est plutôt bien arbitré. L'arbitre laisse l'avantage, le jeu se développer. Coup de sifflet final et ça se finit plutôt très bien pour l'équipe qui se déplaçait avec une victoire. Même si ça n'a pas toujours été facile, c'est une victoire toute en autorité.